Je ne me sens pas très douée pour répondre à des questions. Quand j'écris, mon envie n'est pas de raconter quelque chose, mais d'aller quelque part. Et comme cet endroit, disons, n'existe pas, il faut que je l'invente, il faut que je le construise. Oui. Et je le construis avec des mots. J'ai découvert la peinture de Piero della Francesca en faisant un tour en Italie et je suis tombée tout de suite amoureuse parce que il incarnait pour moi la pensée, le silence, la solitude, tout ce que j'estime être indispensable à la création. Ce qui m'intéresse, ce sont les artistes. C'est le travail des artistes. Parce que je pense vraiment que ce sont les artistes qui peuvent donner un sens à la vie. Ils voient des choses que la plupart des gens ne voient pas. Mais pour les voir, il faut ce temps calme de la création, ce silence, cet isolement. Action. Donc, pour moi, l'artiste, c'est l'être le plus accompli qui soit, parce que il arrive à faire naître de ce rien des monuments de beauté qui donnent un sens à la vie et qui nous sauvent, qui peuvent nous sauver si on sait recevoir ce qu'ils font pour nous. Oui, mon texte a un caractère hallucinatoire. Et dans cet état hallucinatoire, je m'adresse à un peintre, Piero della Francesca, qui se dédouble d'un autre peintre, appelé lui aussi Piero, et qui serait un peintre qui habiterait la Rome d'aujourd'hui. Piero Solitude est-il une histoire d'amour ? La question de la personnalité multiple me hante. Et plus que me hanter, il me convainc. Car je n'ai jamais cru être une seule personne. Je ne sais pas ce que cela veut dire, être ceci ou cela. Je ne me suis jamais sentie une. Et même sans que cela ait quoi que ce soit de négatif, je ne me suis jamais sentie quelqu'un. Ce qui ne veut pas du tout dire que je n'ai pas un sentiment très affirmé par rapport à ce qu'est mon devoir dans ce monde. Et ce texte reflète ce refus d'établir des lignes de démarcation nettes dans le dessin d'une personnalité. L'histoire du roman s'est construite comme ça. Elle a commencé par ce besoin de dessiner nettement des personnalités. Toute l'histoire de l'art a suivi un cours d'éclatement de ses règles et le roman reste encore très attaché à ses règles de départ. Oui, bien sûr, mon livre, c'est une déclaration d'amour, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre moi et la peinture de Piero della Francesca, entre moi et les artistes en général, entre moi et l'Italie, et entre moi et le fait même d'écrire. Entre moi et les mots et leurs possibilités, et cette chance incroyable de pouvoir construire avec des mots et de pouvoir dialoguer avec les écrivains que j'aime. Je crois que je suis capable d'aimer de la même façon une œuvre d'art qu'une personne ou un lieu. Le sentiment n'est pas exactement le même, mais sa force et la place que cela occupe en moi est la même. Cela occupe tout. Dans le sens, je viens de la poésie. Et j'aime beaucoup travailler avec des poètes, et en pensant à des poètes qui m'inspirent depuis très longtemps, notamment des poètes anglais.
évidemment Shakespeare, mais aussi Coleridge, Byron, Keats, Wordsworth, T.S. Eliot, Leonard Cohen, Bob Dylan. Oui, le processus d'écriture. Je cherche partout des artistes qui m'inspirent. Donc beaucoup d'écrivains, bien sûr, mais pas seulement. Je pense que qu'être écrivain et s'inscrire uniquement dans la lignée d'écrivains serait pour moi trop réducteur et trop pauvre. Et puis, bon, tous les écrivains ne sont pas des artistes. Il y en a beaucoup, bien sûr. Kafka ou Proust, Swinburne, Manley Hopkins, ce sont bien sûr d'immenses artistes. Mais je vais spontanément aussi vers les architectes, les musiciens, les danseurs, des cinéastes, parce que tout compte dans l'acte d'écriture. La vie entière que l'on mène, elle se reflète et elle enrichit l'acte d'écrire. Donc tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on dit, bien sûr. La vie qu'on mène et ce qu'on est capable d'écrire, ce ne sont pas des choses dissociables. Parce que c'est beau, parce que je suis très attachée à la beauté. Oui, je pense que cette impression de prose poétique, elle vient du fait que, bon, premièrement, je viens de la poésie, sans doute. C'est peut-être ce que j'aime le plus lire, notamment des poètes anglais. Et aussi parce que la poésie, c'est justement en un sens rechercher vraiment ce qui est essentiel. Couper le plus possible et vouloir trouver les mots les plus justes possibles. Ce sont ces poètes qui m'inspirent beaucoup. Et puis, il y a un côté évocateur et à la fois évocateur et rigoureux dans la poésie qui me plaît. Pouvez-vous nous parler de l'image qui figure sur le bandeau de couverture ? J'aime beaucoup cette image de Leonard Cohen qui dit que l'artiste est comme un cerf-volant attaché à la tradition mais libre tout là-haut. Ça s'est un peu perdu en France. C'est pour ça que je considère où l'acte d'écrire et de lire maintenant est valorisé si c'est quelque chose de pénible, de pénible et de triste. C'est pas du tout ma façon de concevoir la littérature. Le bandeau, ce sont une des fresques de Pielo que j'ai le plus regardée parce que j'aime beaucoup ces femmes qui incarnent la vie secrète, faite d'un quotidien anonyme. Parce que la vie secrète est pour moi une condition essentielle pour la création. Mon bureau est une table de jeu. Je n'ai pas fait exprès, mais il se trouve que c'était la seule table que j'avais disponible. Mais je trouve ça très bien parce que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette dimension quand on travaille. Ah ouais ? Bon, rien de spécial. Tu veux qu'on se voit ? Tu sais, j'ai lu que... Je te dirai, bien. Dans un quart d'heure, à tout de suite. À tout de suite. Salut, ça va ?
Okay.